Aujourd'hui, je vous raconte mes histoires paranormales ou paranormaux, je sais pas comment on dit en français. Des gens qui vont dire que je suis fou, que je suis malade, et vous avez raison, mais je vous promets que ça s'est vraiment passé et que même maintenant, quand j'en parle, j'ai des frissons. Mais laissez-moi vous dire que pourquoi je crois pas? Les gens qui croient pas, pourquoi je crois pas? Pourquoi? Pourquoi? Première histoire, et cette histoire, je l'ai appelée le piano bitch. Je sais pas pourquoi. Ok, faut savoir que quand j'étais petit, je jouais beaucoup du piano, je dansais et je chantais beaucoup. Beaucoup. Je faisais même des concerts, etc. Vers 10 ans comme ça, c'était le matin vers 8h, j'étais parti jouer du piano justement. Et pour les chrétiens, vous connaissez la chanson, il est né le divin enfant. Bref, voilà. Quoi? Je disais, pendant que je jouais cette chanson au piano, j'ai arrêté de la jouer. Et j'entends en haut de moi, à l'angle du mur, genre à l'angle même du mur, j'entends... Genre quelqu'un chantait ça, mais comme je l'ai fait... En haut de moi, j'ai couru. En fait, comme c'était il y a longtemps, à chaque fois je me pose la question, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Mais ça s'est vraiment passé. Bref, on va changer d'histoire. Et cette histoire, je l'ai appelée la couverture de bitch. Mais en fait, je sais pas. En fait, c'est très rapide, hein. En fait, avant, j'avais une chambre et dans cette chambre-là, j'avais une couverture. Je sais plus j'avais quel âge, bref. J'avais une couverture et ma couverture, elle était sale, tu vois. Genre, donc, ma mère m'a dit, on va la laver. Donc, on va prendre l'autre couverture qui est dans l'armoire là-bas. Alors que cette couverture qu'elle m'a dit de prendre, c'était une vieille couverture qui était moche. Une couverture de fille en plus. Bah, du coup, je voulais pas la prendre. Et comme c'était en été, j'avais le clim. Donc, j'ai allumé le clim. Et j'ai dormi sans couverture. Donc, j'ai pas écouté mes parents. Et maintenant, je me réveille. Et je vois la couverture. Genre, je me réveille vers 6 heures comme ça. Et je vois la couverture sur moi. J'étais en mode. Ok, William, t'es somnambule, t'allais prendre, mais je suis pas somnambule. Et puis le somnambulisme, ça n'existe pas justement, parce que tu peux pas. J'ai demandé à tout le monde, personne n'est venu dans la nuit me mettre la couverture. Du coup, c'était très bizarre. Et c'est tout. Maintenant, la dernière, c'est la pire. C'est la pire, mais la pire. La pire. Genre moi, petit là. Moi, j'ai subi ça. Mais attendez, mais. Je vous remets dans le contexte. J'étais parti à Barcelone avec ma famille, etc. Et il s'avère que. Il est connu, hein. L'hôtel qu'on dormait est très connu. Mais en fait, l'hôtel a été construit sur un cimetière, tu vois. Tu vois le bail. Et en fait, tu vois, des fois, quand tu te laves, quand tu fermes les yeux, t'as l'impression que des gens te regardent, etc. Mais vous savoir que moi, je me brossais les dents. Non, je sais pas, je faisais quoi. Mais j'étais dans la douche. Et j'ai vraiment vu un truc derrière moi. Oui, des fois on se dit, est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que j'hallucine? Est-ce que je suis trop fatigué? Je l'ai vu. Je l'ai bien regardé comme ça, je l'ai vu. Et puis il est parti. C'était un homme noir. Une dame noire, je sais pas. Derrière moi. Je l'ai vu dans le miroir. Elle était arrêtée comme ça derrière moi. Et elle est partie. En fait, je sais pas. Bon, la vidéo est finie. Je sais pas si c'est vraiment des histoires paranormales. La couverture, surtout, je sais pas si c'est paranormal. Hein. Mais j'en ai d'autres, si vous voulez, je vous dis. Mais pire que ça. Enfin, ouais, bref.